Connaissez-vous Nicolas Sled, alias Deji Sled? Eh bien, celui-ci est autre que le fils de Sophie d'avant. Découvrez-en davantage sur ce que est devenu le jeune homme. Nicolas Sled est l'un des enfants de la relation entre Sophie d'avant et Pierre Sled. Il a été actif dans le monde de la musique pendant un certain temps. Le jeune homme est maintenant devenu très discret. Au jour, lui, il travaille dans un tout autre domaine, après sa maman. Comme elle est une des personnalités les plus emblématiques de la télévision, la vie privée de Sophie d'avant a donc toujours intéressé les médias. Pour rappel, elle, amie de Caroline Margeridon, a entretenu une relation avec le journaliste Pierre Sled durant plusieurs années. Sophie d'avant et Pierre Sled à l'Open de Roland Garros en 1992. Photo. Getty Images. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est de cet amour qu'est né Nicolas Sled. Ce dernier a vu le jour le 24 juillet 1993 et a grandi en étant protégé de la surmédiatisation. Il a d'abord suivi des études de droit avant de se lancer dans la musique en travaillant comme DJ dans des clubs. En même temps, il partage ses droits d'auteur œuvres musicales sur la plateforme SoundCloud puis à Intégrel, équipe du collectif parisien de Music House Latence. À cette époque, le public le connaissait en tant que Sled, qui était son nom de scène. Pierre Sled et Sophie d'avant à Paris le 23 août 1995, France. Photo. Getty Images. En parallèle, Nicolas Sled officiait aussi comme administrateur du label, Degré Baume aux plages, plus ou moins. Il a également fondé un festival de musique à Deauville. Toutefois, au fil du temps, Nicolas Sled décide de changer complètement de domaine de travail. Le jeune homme a pris le même chemin que sa mère en entrant dans le monde de la télévision. Degré, mon fils, travaille dans une boîte de production en télé. Il propose des émissions, plus ou moins confiées Sophie d'avant chez Pure People en 2021. Pierre Sled et Sophie d'avant avec leurs enfants Nicolas et Valentine, Laurent Romeico et famille. Photo. Getty Images. Si Sophie d'avant et Nicolas Sled ont partagé leur vie pendant longtemps, les deux célébrités ont fini par mettre un terme à leur relation au fil du temps. Une separation qui n'a pas du tout été facile pour leurs deux enfants. D'ailleurs, pendant un entretien avec le magazine Gala en 2020, Valentine, la droit d'auteur de Nicolas Sled, était confiée au sujet du divorce de ses parents. Pierre Sled est l'invite principal de l'émission Sophie d'avant avec leurs enfants Nicolas Sled et Valentine Sled assiste à l'émission Vivement Dimanche au pavillon Gabriel le 1er avril 2015 à Paris, France. Photo. Getty Images. Celle-ci avec 15 ans lorsque la rupture de ses parents est venue bouleverser son quotidien. Valentine Sled précise que Sophie d'avant et son père ont décidé de se séparer avant de se déchirer, plus ou moins. Un choix qui les a, degré préserves, plus ou moins elle et son frère, à procédure. Et même si la separation des parents affecte toujours les enfants, Valentine affirme qu'elle et Nicolas n'en ont pas vraiment souffert. Pour cause, la petite famille a continué à se voir même si Sophie d'avant et Pierre Sled n'étaient plus ensemble. Et au jour, oui, Sophie d'avant, son ex-compagnon et ses deux enfants entendent toujours à merveille.
Pierre Sled est l'invite principal de l'émission Sophie d'avant avec leurs enfants Nicolas Sled et Valentine Sled assistent à l'émission vivement dimanche au pavillon Gabriel le 1er avril 2015 à Paris, France. Photo. Getty Images. Pour revenir à la carrière de Nicolas Sled, il semble que celui-ci a plusieurs cordes à son arc. En plus de sa passion pour la musique et de son travail dans Elle, univers de la télé, le jeune homme semble également avoir hérité de l'amour que porte son papa pour le sport. Rappelons que Pierre Sled a commencé sa carrière en animant des émissions de sport dans les années 90. Et désormais, il semble que Nicolas Sled apprête aussi à prendre la même voie que son père. Degré mon fils à plein d'univers, c'est quelqu'un de très brillant, de très cultivé. Il n'a pas encore trouvé son chemin. Il est extrêmement érudit sur le plan sportif et le football en particulier, plus ou moins disait Sophie d'avant au sujet de son fils Lordé, une interview. Les enfants de l'invite principal de l'émission Sophie d'avant et Pierre Sled, Nicolas Sled et Saez droit d'auteur à Valentine Sled assistent à l'émission vivement dimanche au pavillon Gabriel le 1er avril 2015 à Paris, France. Getty Images. Pierre Sled serait même persuadé que Nicolas est, degré meilleur que lui, plus ou moins dans ce domaine, à en croire les revelations de Elle, animatrice. En ce qui concerne sa vie amoureuse, on ne sait strictement rien à ce sujet. On suppose que le fils de Sophie d'avant préfère protéger sa vie privée contre les médias, comme ses parents quand il était petit. Lire aussi. Travaillant depuis ses 15 ans, Caroline Margerie Dons est occupée de sa mère qui lui a laissé 8 millions de dettes. Elle a refusé de la voir pendant 33 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google.